Bon, maintenant que vous avez fini votre stage, on va pouvoir vous trouver une entreprise. Vous avez déjà fait une liste des entreprises dans lesquelles vous souhaitez postuler? Oui. Tout est là. Ah, mais super. Je vais vous aider pour les deux ou trois premières, puis après, je vous laisserai faire tout seul par la suite. Analyse de santé terminée. Ok. Donnez-moi ça. Alors, donc a priori, vous avez des problèmes de sommeil. Ouais, c'est le filtre anti-pub de mon téléphone. Il marche plus, du coup, il sonne tout le temps. Du mal à dormir avec Somnilux. Passez une nuit de luxe. Ça a l'air pas mal, ça. Vous avez pensé à l'éteindre? À l'éteindre? C'est une fonctionnalité payante. Tu sais pas, il m'en est arrivé une bonne ce matin. Vas-y, raconte. J'ai vu le petit Willy qui est venu me voir pour me demander comment devenir éleveur de sacrés de Birmanie. Ok, mais c'est quoi ça? Ah ben, c'est une race très particulière de chats à poils longs. D'accord, mais tu lui as trouvé une formation? Ben non, tu sais bien qu'ici, pour être éleveur, il faut être éleveur de vaches, poules, cochons, mais pas de sacrés de Birmanie. C'est pas faux. Mais tu lui as quand même proposé quelque chose? Ah ben oui, vu qu'ils vont ouvrir une nouvelle usine ici à côté, eh ben je vais proposer une formation de tourneur-fraiseur. Et puis il fera du bénévolat à la SPA le week-end. Pas mal, j'y aurais pas pensé. Alors si j'ai bien compris, vous êtes là parce que vous avez besoin d'aide pour votre orientation, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Voyons voir pourquoi vous êtes faite. Analyse terminée, correspondance à 97% pour le métier de garde forestier. Je croyais qu'il y avait plus de forêts en France. Ah, je vois. Oui, il manque la mise à jour. Attendez. Seconde option, correspondance à 95% pour le métier de apicultrice. Oui, décidément, il faut vraiment que je fasse la mise à jour. Alors, pour votre problème de logement, j'ai deux solutions. Dans un petit village à côté, il y a un collège qui a été réaffecté en éco-location. Vous n'aurez pas de loyer à donner, mais il faudra participer aux tâches ménagères et au potager, au moins 2 heures par jour. Par contre, vous devrez devenir vegan, faire pipi sous la douche et porter des sous-vêtements en coton bio. Et la seconde option, c'est quoi? C'est une co-colocation. En plein centre-ville, un appartement avec 4 chambres. Pour la moitié de votre salaire, vous aurez le droit à un matelas dans une chambre que vous devrez partager avec quelqu'un d'autre. Le matelas n'est pas fourni. Ok. Bon, de toute façon, je faisais déjà pipi sous la douche alors. Regarde, celui-là, il y a un frigo. Ah ouais, mais c'est chauffage au bois et en plus au 4e sans ascenseur. Ah ouais, laisse béton. Par contre, celui-là, il y a une baignoire et un bidet. C'est quoi ça? Je crois qu'il y en a un chez ma mamie, mais je sais pas à quoi ça sert. Salut la jeunesse! Salut! Bonjour monsieur Musquet. Bonjour monsieur Musquet. Vous savez à quoi ça sert, vous, un bidet? Regardez, il y a un Minitel dans celui-là. Oh, c'est mortel, ça! Vas-y, on le prend. Carrément. Tu me passes ta carte téléphonique et puis j'ai sans les appeler. Non. Non. Ah, attends. C'est quelle année, celle-là? Ah, c'est pas mal. Ouais, mais t'as pas peur qu'elle ait des fuites? Oh bah non, hein. Le but, c'est pas de la garder longtemps, de toute façon. Alors, les jeunes, qu'est-ce que vous faites là? On est sur Adopte un ancien. C'est une appli? Oui, tu matches avec un ancien, tu t'occupes de lui, et à la fin de sa vie, tu récupères son héritage. Mais bon, tu sais jamais comment tu vas avoir. Mais vous êtes sérieux, là? Mais qui fait ça? Vous avez tant besoin d'argent? Bah ouais, Samantha commence son stage la semaine prochaine, et elle a besoin de remplir sa voiture d'essence. D'accord.
Est-ce que quelqu'un vous a parlé de notre système de co-covoiturage? Ça a été avec ton tio ce matin? Bah non. Pourquoi? Monsieur est venu me voir pour faire une formation et devenir développateur de jeux vidéo. C'est pas développeur plutôt? Non mais on s'en fout, c'est à la mode ces trucs-là. D'ici 2 ou 3 ans, on n'en parlera plus. Tu lui as conseillé quoi du coup? Ben je l'ai envoyé faire un stage chez Vidéo Futur. Ah oui, location de VHS, ça c'est l'avenir. Vous savez quoi? Traversez la rue, vous allez trouver du travail. Ok. Bon, bah je commence lundi. Oui, tu matches avec un ancien et tu vois, j'ai fait de la merde. Tu oublies son prénom. On prend la feuille du verre blanc. Je vais dire les vidéos. Moi, j'ai regarde celui-là, il y a un frigo. Attends, il y a Quentin qui est dans le champ. Je vais redire action.